bonjour et merci d'être avec nous pour cette édition spéciale consacrée, bien évidemment, à l'emprisonnement de la youtubeuse Sybille LMDS après une dénonciation suite à un live fait sur YouTube. La rédaction est mobilisée. Avec nos envoyés spéciaux aux quatre coins du territoire, nous ferons le point sur la situation et cet acte de délation et nous poserons la question, mais où va le monde en 2022 ? L'heure est grave. L'heure est très grave. On a voulu me mettre en prison. Alors, bien sûr, prison, c'est une boutade, mais c'est quand même grave. Alors, je vous explique. Je fais des lives régulièrement et j'ai toujours 7 personnes qui sont là. Et quand il y a... Alors, j'ai des preuves à l'appui, des milliers de preuves, énormément. Et quand il y a un commentaire, des fois, je les regarde plus. Il y a 7 pouces... 5 pouces ou 7 pouces en l'air. Voilà, sur un commentaire. Vous avez déjà vu ça, vous? Un commentaire désastreux, il y a 7 pouces en l'air. Donc, on connaît bien, hein, c'est la clique, quoi. C'est une clique. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est une clique. J'ai des doutes. Oh, bébé, j'ai des doutes! Et donc, du coup, eh bien, ces 7 personnes me regardent toujours en live. Elles sont les premières arrivées, hein. Premières arrivées tout le temps. Elles ne mettent jamais de pouces en l'air, mais elles sont toujours là. D'ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois, si vous ne m'aimez pas, ne regardez pas ma chaîne. Et si vous m'aimez, mettez un pouce pour que je sache que vous m'aimez bien. Donc, je sais qu'elles ne m'aiment pas, elles sont là pour autre chose. Voilà. Savoir aimer, sans rien attendre en retour. Alors, je vous explique. Alors ça, c'est le pompon du... Le pompon du pompon. Il y a de la délation dans l'air. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, ces personnes-là, elles vous auraient enfermé, elles vous auraient dénoncé, elles vous auraient mis, elles vous auraient dit, je ne vais pas aller au-delà parce que c'est horrible, mais franchement, c'est exactement ça. C'est de la délation, c'est la Gestapo, quoi. C'est un truc de fou, hein. Maintenant, je vais vous expliquer. Et dommage, franchement dommage. C'est dommage, mais c'est dommage pour vous. La belle vie, j'adore. C'est pas parce que j'étais très en colère contre une livraison que je suis contre telle et telle personne. Et quand bien même on m'a donné le nom de la personne, je ne le savais pas. Et bon, bah, moi, dans l'euphorie et tout ça, j'étais en colère, donc du coup, j'ai dit le nom. Mais heureusement, elle m'a demandé d'enlever la vidéo. Elle a raison, elle a raison. Mais, ce qu'il y a, c'est que je sais que c'est des personnes mal intentionnées, bienveillantes pour elles, mais malveillantes pour moi. Voilà, pourquoi? Parce que ce sont des personnes, et ben, c'est comme la Gestapo, quoi. Mais oui, c'est ça maintenant. Maintenant, c'est ça, c'est la dénonciation. On va dénoncer. C'est un truc de fou, hein? Ils ont voulu me mettre comme ça, en prison, me dénoncer. Eh ben non, mais non, mais non, pas du tout. Parce que sincèrement, déjà, et d'une, la belle vie, j'adore. J'ai toujours adoré. C'est pas parce que j'ai eu une livraison ou deux, trois livraisons qui ont été défectueuses que je vais arrêter de commander. Sur le coup, j'ai dit je vais arrêter, mais on a le droit de changer d'avis. Voilà. Et j'aime beaucoup cette personne, énormément, et qui a été bienveillante, en fait. Voilà, pour moi, qui a été bienveillante, pour le coup. Et qui a dit que c'était des personnes... qui ont mis la chatte exprès, qui ne commandaient pas à la belle vie. Faut le faire. Voilà. Donc on a compris, hein. Mais c'est bête, franchement, vous n'avez pas autre chose à faire. Je sais pas, moi, mais il y a tellement de choses à faire dans la vie que d'aller critiquer des gens. Dès que vous arrivez, dès que je fais un live, hop, il y a 7 personnes qui arrivent tout de suite. Et qui ne mettent pas des pouces en l'air, donc c'est bien ce que ça veut dire, quoi. Mais sincèrement, je comprends pas, quoi. La vie est déjà assez compliquée comme ça, vous la compliquez encore plus que ça. Et quant aux personnes qui pensent que la belle vie va me faire des problèmes, non, parce que la belle vie, depuis 2015, je commande, je fais de la pub sans vouloir, parce que je n'ai jamais rien demandé pour eux. Et d'ailleurs, je vais vous dire un autre truc, ça va vous faire... Charal, vous devriez écrire à Charal. Ben oui,
Parce que Charal, j'ai acheté deux entrecôtes que j'ai payées assez cher et elles étaient très dures. Donc j'ai téléphoné à Charal. Voilà. Et je leur ai dit, est-ce que vous pouvez faire le nécessaire? Donc voilà, j'ai envoyé ce qu'il fallait. Et j'ai demandé, je pense qu'ils vont faire un beau geste commercial. Voilà. Oui, bah, que ça vous embête ou pas, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Moi, je ne me laisse pas faire et je me suis jamais laissé faire. Donc voilà. Donc ce que je vais vous dire. Comme ça, je m'en fous. Vous voulez me mettre derrière les barreaux, vous voulez faire ce que vous voulez, vous avez que ça à foutre. C'est votre problème, c'est pas le mien. Je ne m'adresse à personne, je m'adresse aux 7 personnes qui à chaque fois mettent des pouces sur une discussion. On sait très bien. Je m'en fous, j'ai des tas de preuves à l'appui, je m'en fiche. Mais franchement, je m'en fous royalement. Mais de la délation quand même. Mais vous vous rendez compte, la délation, c'est de la Gestapo, vous allez dénoncer. Vous pouvez essayer de signaler ma vidéo, une fois on a voulu signaler ma vidéo parce que c'était sexuel, je sais pas quoi, il n'y avait rien du tout de ça. Voilà, donc en l'occurrence, voilà, moi, ma chaîne, c'est une chaîne de communauté, c'est une chaîne de joie, de bonheur. Vous savez, moi, j'en ai rien à foutre de la monétisation, j'en ai rien à faire de nombre de vues. Moi, ce qui compte, c'est le cœur, ce qu'on échange entre nous. Votre cœur, mon cœur. On est un cœur uni. Comme je vous dis, on est unis. Mais apparemment, il y en a qui ne veulent pas être unis, qui veulent enfermer comme ça. Ouais. Voilà. C'est leur problème. Moi, je suis très bien dans ma vie, je pense pas que vous l'êtes. Mais moi, je suis heureux. Honnêtement, je pense pas que vous êtes bien. Je pense pas. Je pense que j'ai pitié pour vous à la limite parce que ça me fait de la peine. Franchement, ça me fait de la peine. Moi, perso, j'en ai rien à foutre, mais ça me fait de la peine pour vous. Voilà, j'ai même prié pour vous, voyez. Je vais être gentille. Hein. Ben voilà, je vais prier pour eux, pour leur bonheur, parce que franchement, ils en ont vraiment besoin. Voilà. Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo. Je suis pas comme ça, moi. Moi, je ne suis pas une personne méchante. Mon ennemi, mes ennemis, j'en ai pas. Et le peu d'ennemis que j'ai, eh bien, je vais prier pour eux, pour leur bonheur. Voilà, c'est ça. C'est ça, la vraie vie. J'avais vraiment besoin de vous montrer ça. Comme quoi, méfiez-vous de YouTube. Il faut être très forte pour être sur YouTube. Si vous voulez faire une chaîne YouTube, eh bien, soyez forte. Moi, je suis extrêmement forte. Bon, allez, sur ce, on va une note positive. Je garde le sourire. Tiens, ben, je vais prendre une carte. Allez. Allez, je prends une carte. Une seule. Ok. Une seule. C'est pas pour moi, c'est pour les détracteurs. Ceux qui ont. Il y a une carte qui est sortie, donc je la prends. Qui ont fait de la délation. Voilà, Gestapo. Allez, on va regarder. Hein. Peut-être ça va vous porter bonheur. Hein. Peut-être, hein, je ne sais pas. Hein. Alors, vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Confirmez, allez de l'avant. Ben voilà. Allez de l'avant, occupez-vous de vos fesses. Voilà, tout simplement. Et ben voilà, la carte que j'ai tirée. Allez, voyez, je vous ai dit, je ne suis pas méchante. Je prie pour votre bonheur. Mais occupez-vous de vos affaires au lieu de vous occuper de celles des autres. Allez, sur ce, je vous embrasse. Je pense que j'ai fait ma petite vidéo. Coup de gueule. On a voulu me mettre en prison. On a voulu me dénoncer. Allez, bisous. N'oubliez pas, mettez des petits pouces et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Ciao.